la critique, selon Truffaut, directe et sans concession. L'homme le plus haï de Paris, Michel Aubryan, un critique terroriste, Michel Mardor, le fossoyeur du cinéma français. Tels sont quelques-uns des qualificatifs qui, au début des années 50, désignent tous explicitement un jeune critique cinématographique nommé François Truffaut. Mais comment en est-on arrivé là? Le mercredi 20 février 1952, quelques jours après son 20e anniversaire, François Truffaut tourne la page de l'épisode le plus cauchemardesque de sa jeune existence. Un engagement dans l'armée, signé sur un coup de tête, une affectation en Indochine, suivie d'une désertion, et enfin un renvoi dans ses foyers à la suite d'un procès militaire. Recueilli par André Bazin et sa femme Janine, qu'il connaît depuis 1948, il habite désormais la modeste chambre mansardée de leur maison à Bry-sur-Marne. Peu à peu, dans cet environnement familial, il reprend goût à la vie en dévorant la bibliothèque de son protecteur et en fréquentant assidûment les séances du ciné-club du quartier latin. La vie, c'était l'écran, c'était le cinéma, dira Éric Rohmer pour définir ces années-là. Mais très vite, la nécessité de trouver un travail canalise toute l'énergie de Truffaut. Grâce à son réseau, il effectue quelques piges pour la revue Cinémonde et trouve un emploi d'assistant réalisateur au service cinématographique du ministère de l'Agriculture. Un jour, j'ai dit à Bazin, je crois que je pourrais écrire un peu sur le cinéma. Il m'a dit d'essayer et a publié mes premiers articles dans les cahiers du cinéma. Fondé en avril 1951 par Jacques de Nolval-Croz, Joseph-Marie Loducas et André Bazin, la revue spécialisée à couverture jaune dorée accueille le premier article de Truffaut dans son numéro 21 daté de mars 1953. Il s'agit d'une critique du Masque arraché, Sudden Fear, de David Miller, paru sous le titre « Les extrêmes me touchent ». Mais dès son retour à la vie civile, Truffaut a entrepris la rédaction d'un long texte consacré au cinéma français d'après-guerre. Au fil des mois, celui-ci connaîtra de nombreuses versions, amendées en suivant les précieux conseils de son mentor, André Bazin. Et un beau jour de janvier 1954, Truffaut entre soudain dans la lumière en donnant un grand coup de pied dans la fourmilière de l'industrie cinématographique hexagonale. Publié dans les cahiers du cinéma après 2 ans de gestation, son article intitulé « Une certaine tendance du cinéma français » se présente comme un violent pamphlet contre un cinéma dit « de tradition de la qualité », signé Jean Delannoy, Claude Autant-Lara ou René Clément. À ces cinéastes qui font d'ordinaire consensus dans la profession, Truffaut reproche de puiser leur prestige dans un usage systématique de l'adaptation littéraire de romans classiques, Le Rouge et le Noir, ou contemporain, Le Diable au corps. À leurs complices attitrés, les scénaristes Jean Orange et Pierre Bost, il fait grief de pratiquer une recherche d'équivalence entre procédés littéraires et cinématographiques qui conduit inévitablement à une trahison de l'esprit de l'auteur. En contrepoint, Truffaut prend la défense d'une poignée de cinéastes nommés Jean Renoir, Robert Bresson ou Jean Cocteau.